Bonjour à tous. Bonjour, je me présente, je suis Nicole Martel de l'Association québécoise des technologies. Je suis accompagnée de mon collègue ici, Gilbert Vallière, qui est responsable des communications. Bonjour. Et nous avons également sur l'appel Éric Lacroix, qui est coprésident stratégie et innovation chez SOM, qui va pouvoir commenter, nous aider à démystifier certaines données des résultats. Bonjour Bonjour tout le Éric. monde. Merci, bonjour tout le monde. Alors, en termes de déroulement, nous allons garder ça court et concis pour vous permettre de vaquer à vos activités le plus rapidement possible. Alors, si vous avez reçu cette invitation de participer à ce webinaire, c'est que vous avez participé à l'enquête que nous avons menée en juin. Alors, vous étiez 180 dirigeants et dirigeantes à avoir répondu au court sondage. Alors, merci beaucoup de votre participation. Et aujourd'hui, nous allons vous présenter, dans le fond, les faits saillants qui nous sont apparus pertinents pour vous. Alors, peut-être avant de débuter dans les résultats, est-ce que, Eric, tu peux nous donner un aperçu du profil des répondants, s'il vous plaît? Oui, tout à fait. Ben, c'est quelque chose qui ressemble énormément à ce qu'on avait, à ce qu'on mesure finalement édition après édition du baromètre. Autrement dit, bon, en termes d'années de fondation de l'entreprise, les âges moyens ont environ 19 ans. Ça, c'est tout à fait semblable à ce qu'on mesure dans le baromètre chaque année. L'âge des répondants, c'est pas quelque chose qu'on a dans le baromètre, mais on voit où ça se situe. Je suis en plein dans cette moyenne-là. Donc, 51 ans pour les membres de l'AQT et 52 pour les répondants qui ne sont pas membres. Ensuite de ça, le nombre d'employés au Québec est un peu plus élevé que ce qu'on mesure normalement dans le baromètre. Normalement, on est autour de 35, quelque chose comme ça. Ce qu'il faut voir, c'est qu'on est plus précis dans le baromètre parce qu'on a plus de répondants. Et là, il semble que les données qui étaient ici ont peut-être le sujet finalement du sondage attirait plus les entreprises un peu plus grosses. Donc, c'est pour ça qu'on a des nombres moyens d'employés là, de 68 et 64 employés respectivement là, pour les membres et les non-membres. Mais il faut voir qu'il y a une marge d'erreur qui est quand même assez importante là, de plus ou moins 30 là-dessus. Donc, ce n'est pas une surprise. Je veux dire, ça ne vient pas en contradiction, si on veut, avec les résultats du baromètre. C'est simplement que la population qui a été intéressée à répondre à ce sondage-là est un peu plus provient d'entreprises un peu plus importantes là, que le baromètre où on a plus de répondants. Très bien, merci. Donc, justement, parlant du baromètre, donc c'est une enquête qu'on réalise avec SOM d'ailleurs, avec la complicité de l'équipe d'Éric, qu'on réalise depuis 5 années maintenant. Comme Éric le mentionnait, c'est 400 à 500 répondants à chaque année. Ce que vise à faire le baromètre, dans le fond, c'est de nous aider à bien comprendre le profil de l'industrie. D'avoir aussi un aperçu des enjeux que les dirigeants partagent avec nous. Nous, ce que ça nous permet de faire en retour, c'est d'effectuer des représentations auprès des différentes instances politiques et bien sûr, et surtout, apprécier les enjeux que vous vivez, puis pouvoir adapter notre offre de services en conséquence. Donc, ça nous permet vraiment de suivre ces différentes réalités-là. Maintenant, pourquoi on a réalisé un court sondage en juillet? C'est que, au cours des derniers mois, on observe énormément de changements au niveau de la direction des entreprises qui gravitent autour de l'AQT, donc des dirigeants d'entreprises, des PME de technologie. Et bien sûr, vous n'êtes pas sans savoir que l'enjeu du talent est tellement criant qu'on avait besoin d'aller creuser un peu plus ces facettes-là. Donc, c'est les deux volets que nous avons sondés dans le cadre de cette enquête de juin. Si on débute avec le premier volet qui porte sur les fusions, les acquisitions, les intentions de vente des entreprises, donc le changement ou pas de direction à la tête des entreprises. La façon dont on a interrogé les participants, c'est on vous a demandé quelles avenues envisagez-vous pour faire évoluer votre entreprise. On l'a mesuré sur un horizon de 7 ans avec le court, moyen, plus long terme.
Voici les résultats que nous avons obtenus. J'espère que c'est assez lisible à l'écran, comment les données. Avez-vous l'intention de procéder à des acquisitions sur un horizon de 3 ans? Comme vous pouvez le constater, chez nos membres, 45% de nos entreprises se disent dans ce mouvement-là, puis dans un horizon assez court terme aussi. Ça, c'est quand même assez appréciable comme résultat. Ensuite de ça, on a demandé, est-ce que vous avez l'intention de vendre votre entreprise à une autre entreprise? Là, Éric va pouvoir nous commenter les distinctions entre les tailles d'entreprise. C'est assez intéressant d'observer ce résultat-là. Ce que l'enquête nous révèle à nouveau, chez nos membres, c'est 11% des entreprises qui sont dans ce mode-là, de l'intention de vendre leur entreprise. Une donnée qui nous a quand même surpris, la réponse nous a quand même étonnés. On a demandé à nos participants est-ce qu'ils avaient l'intention de transférer l'entreprise à des membres de la famille ou à de la relève, là, des employés actuels. On était assez surpris du nombre qui était peu élevé. On entend beaucoup, beaucoup parler de transfert d'entreprise avec la corrélation avec l'âge moyen de nos entreprises, l'âge moyen de nos dirigeants. On s'attendait à un nombre un petit peu plus élevé sur ce plan-là. Éric, veux-tu peut-être ajouter un peu à ces données avec tes observations personnelles? Oui, tout à fait. Ben, en fait, si on fait la somme au total, c'est quand même 24% des entreprises qui ont un plan ou une idée de transfert éventuellement. Mais plus que la moitié, donc 13%, eux autres voient ça seulement dans un horizon assez lointain, là, donc de plus que 7 ans. Quand on regarde là, à très court terme, intention de transfert, 3% à peine de l'ensemble des répondants. Bon, d'ici 3 à 6 ans, ça monte, il y en a 8. Puis comme je disais, 7 ans et plus, 13%. Donc effectivement, c'est vraiment pas quelque chose qui semble pressé. Puis c'est pas quelque chose ça attire en fait juste une entreprise sur quatre, là, cette idée-là là, de transfert à des membres de la famille ou des employés actuels. Merci. Maintenant, il y a un certain nombre de répondants qui nous ont dit non, pour nous, ce n'est pas une option de vendre l'entreprise. On a ajouté une question à ces répondants qui nous ont dit, la base de répondants qui nous ont dit qu'ils n'avaient pas l'intention de vendre leur entreprise. On a dit, bon, advenant une offre vraiment irrésistible, est-ce que vous reconsidériez, est-ce que vous seriez prête à vendre votre entreprise? Puis là, on voulait savoir, est-ce que ces répondants-là agiraient différemment en devenant le cas où l'entreprise était une entreprise canadienne, une entreprise étrangère? Puis qu'est-ce qui les mènerait à faire ce choix-là? Finalement, bon, j'abdique et je vends, là, entre guillemets. On a demandé, est-ce que ce serait dû à des difficultés de recrutement trop importantes, ou encore des difficultés trop importantes, pardon, ou encore si c'est le fait là, que les technologies évoluent si rapidement que bon, on est toujours on se sent un peu à la traîne et tout ça. Comme vous pouvez le voir, les barres vertes identifient ceux qui disent oui, très fort probablement, plus sévère, plus la probabilité est forte. Éric, là-dessus aussi peut-être tes commentaires? Oui, c'est ça. Ben, en fait, comme Nicole, tu le mentionnes, on est parti de 180 entreprises au global à qui on a demandé est-ce que vous auriez l'intention de vendre. Et il nous en restait 65 qui avaient dit non, je ne le considère pas du tout. Puis c'est là qu'on a renchéri justement, ben, s'il arrivait une des quatre situations suivantes, est-ce que vous pourriez changer d'idée? Puis comme on le voit, bon, une entreprise canadienne là, qui serait intéressée à nous racheter, bon, 43% disent que ouais, finalement, je le considérerais potentiellement. Puis si on parle d'entreprise étrangère, là, c'est un petit peu moins. C'est seulement 38. Et bon, évidemment, comme on le voit facilement là, sur le graphique qui est là, les difficultés de recrutement trop importantes et les technologies qui évolueraient trop rapidement, ce n'est pas vraiment des facteurs qui pousseraient les gens à vendre. Oui, en effet. Merci. Maintenant, en résumé sur cet aspect-là, peut-être sur l'aspect l'appartenance aux entreprises, on a fait ressortir quelques faits saillants que vous voyez ici à l'écran. Je te demanderais peut-être, Eric, de nous les présenter.
Oui, ça, bien, ce qu'on voit, ce que ça illustre, en fait, c'est que les entreprises qui sont plus petites, donc 15 personnes ou moins à l'emploi, eux prévoient vendre leur entreprise. Puis ça, c'est nonobstant le fait d'avoir une offre irrésistible ou quoi que ce soit là. Donc, quand on est plus petit en technologie, on s'attend probablement à vendre et c'est dans les intentions qui sont là pour plus que la moitié. À l'opposé, les entreprises plus grosses, donc 50 employés et plus, c'est les trois quarts qui prévoient faire des acquisitions. Donc, ça va quand même assez bien ensemble. Les plus petites sont prêts à vendre, puis les plus grosses sont prêts à acheter. Fait que c'est un marché qui est potentiellement intéressant. Puis, comme on l'a mentionné tantôt, le nombre d'entreprises qui ont l'intention de procéder à des transferts à des membres de la famille ou des employés est relativement peu élevé. Seulement 24 % au total qui y pensent, puis 13 % c'est dans 7 ans et plus. Donc, c'est vraiment pas une préoccupation à court terme pour la grande, grande majorité d'entre elles. Très bien, merci. J'en profite pour mentionner que vous allez recevoir, les participants de ce webinaire, vous allez recevoir copie des résultats après la fin de cette intervention, après la fin de l'appel, pardon. Alors, je vous laisse en profiter pour mentionner sur ce volet-là, ceux qui sont assez actifs avec nous à l'équité, vous savez fort bien justement que ce maillage-là entre les entreprises, soit pour des fins de partenariat stratégique ou encore d'intégration de certains volets de l'entreprise, des fois ou complète pour des acquisitions, ça se passe beaucoup. Par des échanges, des fois qui débutent sur une base très informelle dans le cadre de nos activités, puis qui peuvent se terminer sur des bases plus officielles, ou encore qui demeurent toujours comment cordiales, mais sans s'officialiser par des vrais des résultats d'acquisition. Mais je vous invite à rester à l'affût des activités qu'on tient où on tente toujours de faciliter ce maillage-là de qualité que vous pouvez faire entre vous. Un autre outil que vous pouvez utiliser pour vous permettre d'identifier des sources de partenaires potentiels, c'est le répertoire détaillé des membres de l'AQT. Pour ceux qui ne l'ont pas encore consulté, vous avez un accès qui est réservé, donc l'espace client sur la page www.aqt.ca. Donc, en haut à droite, il y a un espace où vous pouvez entrer votre identifiant, votre mot de passe, ce qui vous permet d'accéder à des profils détaillés des membres. Et si vous effectuez des recherches ou si vous cherchez à compléter une offre de service qui est présente chez vous. Donc, ça termine la première section que sont les fusions-acquisitions. Nous allons ouvrir le chat à la fin à la fin des présentations. Vous allez pouvoir poser vos questions. Si déjà vous voulez y aller de vos questions, on va y répondre à la fin, bien sûr, avant de clore l'appel. Maintenant, pour la section accès aux talents, vous n'êtes pas sans savoir là, que ça fait partie de toutes les discussions que nous avons avec nos membres. Avec ce volet-là, avec les membres du conseil d'administration, ce qu'on tentait de comprendre, c'est s'il y avait lieu pour l'AQT de s'adjoindre à certains établissements, peut-être des établissements scolaires ou des établissements collégiales ou de privés, pour répondre à certains besoins ponctuels, peut-être de ces temps-ci. On parle beaucoup d'intelligence artificielle. Bon, est-ce qu'on a besoin de gens qui vont manipuler les bases de données qui ne sont pas, dans le fond, nos programmeurs ou nos analystes? Donc, c'est un peu ce qu'on cherchait à comprendre. Puis on cherchait à comprendre aussi d'où venait la compétition. Donc, ce que les données nous révèlent ici, c'est la première mention. En fond, ce qu'on relève ici, c'est les premières mentions. On vous demandait quels étaient les postes les plus difficiles à combler. Et de loin, c'était des postes quand même très spécialisés ou des individus ou des candidats qui ont un bon lot d'expérience. C'est ce qui ressortait très fortement. Éric, peut-être commenter. Je sais qu'on a posé aussi la question en deuxième lieu et troisième lieu, là.
Oui, tout à fait. Mais la première mention est très révélatrice là, dans le cas actuel. Puis c'est vraiment intéressant de la regarder, celle-là, comme telle, là. Puis oui, tu as tout à fait raison que c'est les postes intermédiaires et avancés, beaucoup plus que des postes de codeurs, par exemple, là, où on a plus de difficultés à combler les postes. Et en dernier lieu, c'est les postes de gestionnaire. Donc, ben, c'est sûr que dans les entreprises relativement petites, les gens qui ont parlé sont eux-mêmes des gestionnaires, fait qu'ils sont déjà en poste, alors ce n'est pas nécessairement surprenant de voir ce résultat-là. Okay, très bien. Par la suite, on essayait de comprendre, selon votre compréhension, selon votre vision de la situation, d'où provient la compétition sur le talent. Encore une fois, quand même assez révélateur, première réponse, la compétition provient d'entreprises similaires, suivies de grandes entreprises internationales établies au Québec. On l'a quand même entendu passablement dans les médias récemment. Et puis ensuite, on sait désormais que les grandes entreprises qui passent au virage numérique, ou des grandes ou des petites entreprises, ont désormais des départements TI beaucoup plus soutenus, donc sont peut-être en quête des mêmes talents qui sont présents chez vous, chez les entreprises techno. Et en dernier lieu, on vous a demandé aussi si les clients étaient source de concurrence pour vous. Est-ce que vos employés ou vos clients vous faisaient un peu concurrence sur l'attraction des talents? Donc, la première mention est quand même très majoritaire. Éric, là-dessus? Oui, ben effectivement, comme tu l'as mentionné, les entreprises similaires, c'est là. On est, dans le fond, les employés sont habitués de vivre dans ce genre d'entreprise-là, connaissent bien la culture, etc. Donc, c'est vraiment là que la compétition est la plus forte. Puis bon, les entreprises d'autres secteurs, mais avec les départements techno, c'est potentiellement en croissance, cette chose-là. Il faudra voir ici à Québec, en tout cas sur le marché, là, les entreprises du secteur des assurances et des services financiers en général sont très agressifs et offrent des conditions assez incroyable pour les gens en développement technologique, ce qui est potentiellement un risque et un défi pour des PME techno. Oui, merci. Ce que cette enquête-là permet pas de révéler, c'est si l'entreprise est plus dans un mode service ou dans un mode logiciel. Ça peut être croisé, cette donnée-là. Quand nous l'avons analysée avec certains observateurs de l'industrie, les gens nous mentionnaient peut-être que cette dimension-là avait peut-être un impact sur la concurrence avec des grandes entreprises versus des PME. Oui, effectivement, on ne l'a pas mesuré. Ça aurait potentiellement été intéressant de le voir. Oui. Ensuite, donc, on essaie de voir, selon votre vision toujours, quelles pourraient être des solutions pour parer aux difficultés de recrutement. Encore une fois, quand les barres sont vertes, là, ça veut dire que c'est quand même très, très intéressant ou assez intéressant. Alors, sans nul doute, là, l'aspect d'avoir recours à l'immigration ressort très fortement ici. L'autre facette que nous avions proposée comme choix de réponse, c'est accéder à des programmes accélérés, donc 6 mois de cours personnalisés ou de cours dédié à des facettes de l'intelligence artificielle encore ou de base de données ou certaines autres facettes technologiques. Et il y a la notion du reskilling qui est très présente dans le cas du Canada. Aux États-Unis, on l'a observé chez plusieurs de nos collègues de la CRI dans d'autres territoires. Les entreprises font appel à du reskilling, c'est-à-dire qu'on va chercher des gens qui ont fait carrière dans un autre secteur d'activité, puis on les spécialise dans certaines notions technologiques là, pour venir combler certains besoins au sein des entreprises. Ça, c'est sorti un petit peu moins fortement ici.
Est-ce que Puis tu ce y as quelque résultat-là, chose? si, ouais, si je peux me permettre, ce résultat-là, le fait que le reskilling soit moins intéressant est assez corrélé avec le fait que les postes d'entrée de base, les postes de codeurs, c'est pas vraiment là qu'on a des problèmes particuliers. Et évidemment, du reskilling nous amène pas quelqu'un avec une diplomation universitaire, par exemple, là, et un niveau de compétence très élevé sur des choses plus rares ou plus techniques, si on veut. OK, très bien. Je profite du moment que vous êtes sur l'appel pour vous mentionner le fait que l'AQT a été sélectionnée par le gouvernement fédéral parmi peut-être une douzaine ou une quinzaine d'organismes à travers le Canada pour être un organisme référenceur pour accéder à des services VIP, disons-le comme ça, ou des services accélérés, donc le service pour talents mondiaux, avec un service de conciergerie dédié à des entreprises qui sont dans des secteurs porteurs. Donc, nous allons l'annoncer officiellement dans les prochaines semaines. Soyez à l'affût, mais disons que le service est déjà accessible. Si toutefois vous avez de l'intérêt pour en savoir un peu plus, si vous êtes dans ce mode-là où vous cherchez à embaucher par immigration, vous pouvez déjà nous contacter à cet effet-là. Je vais mettre mes coordonnées à la fin de la présentation, donc vous pouvez me contacter moi, puis je dirigerai votre demande aux personnes appropriées chez nous. Donc, sachez que nous sommes conscients que l'immigration peut vous aider à répondre à certains de vos besoins présents. Alors, c'est ce qui met fin à la présentation des résultats de ce sondage. Je ne sais pas s'il y en a qui veulent obtenir plus de précisions, commenter. Est-ce que c'est utile? Est-ce qu'il y a des éléments qui plus d'attention de notre part aussi? Simplement l'inscrire dans la portion clavardage de votre écran de gauche, puis on va tenter de répondre au mieux de nos connaissances. Bon, c'était assez, précis pour l'instant. Alors, écoutez, comme vous le savez, l'AQT est toujours bien à l'écoute de vos préoccupations, de vos enjeux, et nous avons de bonnes oreilles aussi auprès du gouvernement. Alors, si je peux vous laisser avec un message, n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires, de vos observations. N'hésitez pas aussi à passer le mot. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais nous avons aussi simplifié la grille de tarification de l'AQT. C'est plus accessible que ça ne l'a jamais été pour les entreprises. Alors, si vous êtes au fait d'entreprises qui ne sont pas membres de l'AQT, et pour qui vous sentez que ça pourrait être bénéfique pour eux et pour la communauté, parce que plus notre réseau s'agrandit, plus nous avons une bonne écoute auprès des instances à qui nous nous adressons en votre nom. Alors, pour ma part, c'est ce qui clôt les présentations. Je ne sais pas si, Eric, tu voulais ajouter quelque chose. Non, ça va juste saluer les participants. Très bien. Alors, on a nos coordonnées ici. C'est que quoi que ce soit un commentaire ou une question ou l'accès au service que vous aimeriez avoir plus de services, plus d'informations sur l'accès au service d'immigration, simplement communiquer avec moi, je vous dirigerai vers les bonnes personnes. Merci beaucoup et bonne journée à tous. Bonne journée à tout le monde. Bonne journée.